Boum boum les amis, Yugi Taicho et Nico de la team Pharao. Yes yes yes. Bah déjà ça nous fait genre vraiment plaisir vous retrouver. C'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo ces derniers temps, mais on a une excuse. Depuis le retour de Métropole, on a beaucoup bossé sur la communauté. On a fait pas mal de tournois, on a mis des projets en place. Ça va arriver en tout cas. On va vous gâter question vidéo, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est ça. La vidéo d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, parce que le boîtier est posé, le display est posé juste devant moi. Aujourd'hui, on va ouvrir parler, ça là, ouais. Voilà. On va parler eh bien, des duelistes légendaires saison 3. Ça sort aujourd'hui. Là, vous avez un display complet. À l'intérieur, vous avez 8 boîtes. Ça tourne autour de Yugi, hier de Yugi et de Kaiba. Pas du tout. Ça tourne autour de Yugi et de Bakura. Voilà. Bakura, ouais. Donc, Bakura sur duelistes légendaires saison 5, le LED 5. C'est ça. Et qui était sorti en 2019, c'était une des premières éditions qui est sortie quand on a commencé à jouer. Ouais, c'est ça. Donc l'édition LED 5 de Bakura avec les héros nouveau, du mal. Le nouveau renoncé, la nouvelle fusion Prédaplante. La nouvelle fusion Prédaplante, il y avait les héros du mal, Malveillant, je crois qu'il venait de sortir Malveillant. Je suis pas sûr, j'ai peut-être une bêtise. Or Ardus aussi. Or Ardus qui était relou à trouver. La fusion Prédaplante Trifium, je ne me rappelle plus de son nom, il a un nom super long. Et puis Yugi, bien c'est les LED 6 qui sont sortis après. Ça a été la grosse sortie de Âme des Magiciens, une carte Âme des Magiciens qui redonnait vie au deck spirale et tout. Et puis bah, je pense que beaucoup de joueurs ont cherché cette carte, on va continuer de la chercher. Âme des Magiciens, des cartes bien sûr de Yugi. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette extension? Des rééditions de LED 5, on vient de le dire, les héros du mal, des cartes Prédaplantes, les cartes poupées truquées, les cartes nécrophires entre autres, et puis au niveau de Yugi, ben forcément, les cartes magiciens, il y aura des cartes synchroniques aussi. Ouais, c'est ça. Guerrier satellite, qui était pas mal recherché à l'époque. Mm-hmm. Le héros liquide, ouais. qui était bien recherché. Qui d'ailleurs est une carte promotionnelle sur cette édition. Donc, cool. Pas mal de cartes. Et puis, des rééditions qui n'existaient pas en LED 5, LED 6. Je pense notamment à Chimera Flesia Prédaplante, qui est une carte que perso je vais chercher. Ouais. Je pense pas qu'elle ait été réimprimée depuis les 2 ou 3 sorties qu'elle a vues il y a longtemps. Elle a pas été réimprimée parce que quand il y a eu Serviteur de Nadir, c'était une idée de la jouer et elle coûtait super cher, je me rappelle. C'est vrai, donc Raflesia, Chimera Flesia près de la plante, qui a plusieurs effets. De mémoire, elle va bannir, pendant notre tour, elle va bannir une carte sur le terrain qui a moins de niveau qu'elle. C'est ça. En battle phase, elle peut enlever 1000 et s'ajouter 1000 d'attaque sur un monstre qui participe à un combat contre elle. Et l'effet qu'on utilisait généralement, tu l'as dit Nico, avec Nadir, c'est de l'envoyer au cimetière. Voilà, et à la prochaine standby phase, on pouvait aller chercher une carte polymérisation ou fusion. Ouais. Donc déjà c'est sûr, si on doit parler de ce qu'on va chercher nous dans, ouais, cette, ouais, dans cette boîte, dans cette édition, c'est l'âme des magiciens. L'âme des magiciens pour le deck punk, adventure, synchro-punk, adventure effectivement. Et puis Chimera Flesia Prédaplante, c'est sûr, ça va être les deux cartes qu'on va absolument vouloir trouver. Et puis après, bah forcément, les héros du mal, Malveillant, c'est sympa. Orardus, c'est sympa. Le guerrier satellite, on en a parlé. Aussi, c'est ça, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait de sympa à trouver? Alors, on l'a dit, il y a des cartes promotionnelles. Dans chacune des boîtes, vous avez un dé. Ouais, il y a 4 dés. Mmh. Moi, je les ai sous les yeux. En fait, là, le dé cercle magicien, le dé Néos, le dé des héros, synchronique, le monstre synchronique. Et puis, il y a un cinquième dé. Vous l'avez déjà vu sur les vidéos d'ouverture et d'avant-première, le dé de la magicienne des ténèbres, qu'on va bien sûr chercher. Et puis vous avez 2 boosters de 15 cartes, il y a une rafale de communes forcément, et puis 3 ultras. On a vu déjà sur certaines ouvertures que parfois on a 2 fois la même ultra dans un booster. Ah ouais. On va voir ce que ça va donner sur les boîtes qu'on a reçues, qu'on a reçues là. 2 âmes des magiciens, ça serait cool. 2 âmes des magiciens, ce serait sympa. Il y a des couleurs, je sais plus, bleu, rouge. Ouais, c'est ça, j'ai vu une habitude bleue, sur, je crois, moi. Oui. Il y a des couleurs, je sais plus exactement lesquelles, je vais pas vous dire de bêtises. Et puis quoi d'autre? Une carte promotionnelle dans chaque boîte, il y a 10 cartes promotionnelles. Alors, je me rappelle pas exactement de toutes les cartes, mais le soldat liquide est une carte promotionnelle en secrète. Vous avez la fusion Trifium que j'arrive pas à prononcer. Prédaplante. Qu'est-ce qu'on a? On a pas une harpie, non? La nouvelle carte harpie, d'ailleurs, shout-out à Zulu, parce que sur son ouverture, il a été super content que cette carte soit éditée enfin en Europe, en tout cas en France.
Le dragon de Damarpi, souffle enflammé, je crois. Mm-hmm. D'ailleurs, il cherche à la mettre dans un petit deck. On va suivre cette aventure pour voir ce que ça va donner. Il y a aussi les magiciens des ténèbres qui sont en secrète promotionnelle. Ouais, j'ai vu ça aussi. Après le reste, il y avait trois fusions. Il y a le Trifium, je l'ai dit, les magiciens des ténèbres. Il y en a une troisième, je l'ai dit tout à l'heure en plus. On verra. Sunrise. Voilà, on a un souffleur. Oui, il y a Sunrise en secrète. Et puis bon, de toute façon, on vous montrera ces différentes cartes. Là, on va s'ouvrir, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, qu'on parle. Mmh. On va s'ouvrir, eh bien, une display complète, on va s'ouvrir 8 boîtes. On va se faire un petit duel d'opening. Ouais, c'est pas une ouverture normale, hein. Ça serait petit battle, c'est ça? Un petit battle, ce qu'on vous propose. Alors, on va ouvrir, il y a 8 boîtes, je vais en choisir 4 parce que je suis quand même le perdant de la dernière fois. Hein. On a pas compté le D9 où j'ai explosé Nico, parce que mais j'ai ouvert tout seul, j'ai ouvert la Ghost. Ouais. Nico avait gagné le battle d'opening sur Dimension Force. Ouais, c'est ça. Avec un Régulus de la folie. Là, on va s'ouvrir 4 boîtes chacun. Et puis, on va faire un petit zoom ici sur ce magnifique tapis. Alors, on va se faire ça. Moi, je vais ouvrir 4 boîtes sur ce tapis. Voilà, Yugi avec la magicienne des ténèbres. Et puis, le magicien des ténèbres, donc dans ELED6. Et puis, Nico, bah, qui est le méchant de l'histoire, un peu ce soir, lui, va ouvrir sur le tapis de Bakura. Yes. Avec malédiction nécrophire, et puis de mémoire esprit noir, du bannissement et de la malice. Voilà, donc c'est toi le méchant ce soir, Nico. Pas de soucis. On va s'ouvrir ça à chacun sur nos tapis qui sont absolument magnifiques. Et puis, ben, j'espère que je vais gagner pour cette fois, histoire qu'on relance. On verra bien. Voilà, faudrait qu'on trouve un petit gage pour celui qui perd. Allez, bon, les gars, sans plus attendre. C'est parti. On va s'ouvrir ça, nous, en off, et on se reprend tout de suite avec les boosters. Ok, les amis, de retour, on a ouvert nos boîtes, on a l'équivalent de la display, j'ai l'équivalent booster de 4 boîtes avec les secrètes, les dés, Nico, l'équivalent de 4 boîtes, les secrètes, les dés, on vous montre les dés et les secrètes promotionnelles après, on va entamer directement l'ouverture, parce que je suis curieux de savoir qui va gagner. Alors, yes. C'est le perdant qui va commencer. Hein. Mais c'est toi. Je te remercie de le préciser, je te remercie. On va se faire ça. Allez, c'est parti. On change de plan et on est parti pour l'ouverture. Alors, Zubaba Bancho, Gagamanto. Ah, ça commence bien. Des noirs rallonges qu'on n'arrive pas à lire. Au-delà de l'âme, signal de ferraille, air justice vertueuse, poursuite synchro. C'était ultra quand elle est sortie. E, appel de détresse, maîtrise alchimiste, cœur passionné, H, bien sûr, esprit de la terre immortelle. Oui, Rakosha, Raska, effectivement des réimpressions. C'est pas la carte du FTK ça? Des esprits, c'est pas celle-ci, mais elle a été réimprimée. Cavalier squelette d'Excalibur. Résurrection des immortels. Soupaille, comme vous voulez. Sniper infernal, héros du mal, esprit maléfique. On va arriver sur les ultras très bientôt. Esprit de la terre, grand Linewalker. Et première ultra, c'est une qui te représente un Nico quand même. Nécrophyre des ténèbres. Les ténèbres. La carte de Bakura. Oh, réglage que tu as beaucoup joué oui, Nico dans ton deck Edlich et puis Ascator Marshob, effectivement les Ascator qui sont réimprimés. Deuxième booster magicien Gagaga cercle du magicien, secret de la magie des ténèbres, héros vivant, flash héros, grand magicien ébène. Ah oui, c'est vrai, le grand magicien stylé. Et il y a une ultra qui est réimprimée aussi, on va sûrement la voir. Dodonin Gogant. Sentence de mort, démon malveillant, héros du mal, Soupeille, marche crépuscule, hurlement de l'esprit de la terre immortelle, esprit de la terre immortelle ultime, esprit noir du bannissement, on en parlait tout à l'heure avec Bakura, fissure des esprits de la terre, offrande aux immortels, et magicien maître du chaos, et vraiment sympa, vraiment stylé, Gernia, et Nécrome sinistre, héros du mal. Beaucoup de héros dans cette extension, effectivement, mon ami. Troisième booster. Alors, Hydre, Drosophilum, Prédaplante. Fusion, Prédaprime. Le Kuribou, ailé. Acte de poupée, poupée truquée, gigantesse, au-delà de l'âme. Je vais tous me les faire ce soir. Clamyrosolis, Prédaplante. C'est chaud, hein. Justice vertueuse. Oracle du soleil, esprit de la terre, grand Linewalker, message spirituel, effectivement la combo finale, sanctuaire des ténèbres, invitation de l'esprit de la terre, noyau Diabound, tableau de la destinée, le premier F,
Notre première ultra de ce paquet, Cyclone Sauvage, Héros du Mal, Hors la Loi Synchronique, et puis le robot convertisseur. Bien sûr, les amis. C'est toujours rien pour lui. Vous faites pause. Ah, t'as tu kiffes que. Ah, je la sens bien là. Quatrième booster, on commence avec un dauphin aquatique néospatien qu'on a beaucoup utilisé dans. Le classique d'Infernoble. Dans le grand classique Infernoble, Appel de détresse, Grand Magicien Ébène. H, cœur passionné, prêt d'aplan. Alors je les passe assez rapidement, mais c'est vrai que vous pouvez mettre pause, vous, si vous voulez les lire, en espérant qu'on les voit vraiment bien. Action souriante, Axel Synchronique, yes. Esprit de la Terre Linewalker, Spectre Zoma, qui est sorti en Speed Duel 3 en Ultra, Message Spirituel, Esprit de la Terre Immortel, Uru, Soupei, Marche Crépuscule, Inti, le Dragon du Soleil, Esprit de la Terre Immortel, Karaiwa, je vais kiffer quand tu vas les lire. Hein. Démon malveillant, héros du mal. Et alors, là on reste sur Yugi, Cercle magique sombre, qui a déjà été pas mal réimprimé, réglage, et puis Askator Marchaube. La deuxième fois qu'on l'a ce soir. Ouais. On a déjà fait la moitié, là c'est notre cinquième booster. Alors, Justice Vertueuse, Satellite Synchronique, Poursuite Synchro, Appel de Détresse, Prêt d'Aplan, Signal du Héros, Cœur Passionné, Oracle du Soleil, Hurlement de l'Esprit de la Terre Immortelle, Esprit de la Terre Immortelle, Uru, Esprit de la Terre Immortelle, bref, Esprit de la Terre Immortelle, oui, mais allons-y, mes amis, Message Spirituel N, Esprit de la Terre Immortelle, on l'avait pas encore eu celui-là, Shaku Kalwa, Résurrection de l'Esprit de la Terre Immortelle, ouh. Ah, voilà, j'en parlais, c'est justement cette réédition, alors moi, elle avait pas été rééditée depuis... Le téléphone se fout de ma gueule, en fait. Magicien Illusion d'Ébène, j'en parlais justement, cette réédition, c'est une carte qu'on n'a pas vue, nous en tout cas quand on a commencé, il y a longtemps qu'elle n'a pas été rééditée. Ouais. Là, ça fait plaisir de l'avoir, réglage, et puis Magicien Maître du Chaos. Ah, dommage, ça aurait été sympa de fêter cette excise avec une âme des magiciens. Allez, sixième booster, Kuribo Ele, le bâton du magicien qu'on n'avait pas encore vu, acte de poupée, héros vivant, Zubaba Bancho Gegamanto, Au-delà de l'âme, Axel Synchronique, Signal de Ferraille, Esprit de la Terre, Géoglyphe, L'âme malveillant, Héros du Mal, Sentence de Mort, Esprit Maléfique, Invitation de l'Esprit de la Terre, Esprit de la Terre, Grand Linewalker, Fusion des Ténèbres. Oh. Ah bon, déjà, un bon petit drop là, Chimera Flesia, Prédaplante, on vous en parlait au début les amis, ça fait plaisir, Gernia, et puis la Magicienne des Ténèbres. Ah ouais, elle est sympa la Magicienne des Ténèbres. C'est sympa, pour l'instant on a eu pas mal de magiciens, ce serait bien de terminer avec l'âme des magiciens. C'est ça. Allez, septième booster, et oui, réédition du Dragon Fusion Venin Infamé, qui fait souvent parler de lui, avec une petite super polie, Justice Vertueuse, Illusion Magique, Appel de Détresse, Zubaba Bancho, Gegamanto, Cœur Passionné, Héros Favori, Résurrection de l'Esprit de la Terre Immortelle, Esprit de la Terre Immortelle, Kutsilou, Soupei, Cavalier Squelette, Descalibur, Tornade des Esprits de la Terre, Château du Roi Suprême, Quila, le dragon de la lune, champion de l'enfer, héros du mal, et numéro C40, poupée truquée de corde des ténèbres. Ça, je pense que c'est une des rééditions qu'on n'avait pas eues. Je pense pas ouais. L'avoir vue à l'époque ouais. Dans LED5. Non, c'est celui-là dont on parlait, ah, oui. Esprit de la Terre Immortelle, Asla Piscou, qui était utilisé dans le fameux FTK. Et puis, Nécrome Sinistre, héros du mal. Bon, bon, bon. Eh bien, écoute, Nico, dernier booster là pour avoir cette chance. Ouais. On verra bien. Dernier booster pour ma part et pour Yugi, les amis, Prédaponique, numéro C88, poupée truquée de Lion du Désastre, Signal du Héros, et j'en peux plus, Elian Forinsus, Prédaplante, Génération Next, Héros Vivant, et je mériterais vraiment d'avoir l'âme des magiciens avec tous les noms que j'ai eu à lire, Dragostapella, Prédaplante, Au-delà de l'âme, Oracle du Soleil, Hurlement de l'Esprit de la Terre Immortel, Esprit de la Terre Immortel, Uru, Esprit de la Terre Immortelle, ils viennent tous en équipe, hein. Esprit de la Terre Immortelle, Message Spirituel N, Esprit de la Terre Immortelle, Kashu Kalwa, et puis, et ah, bah, un deuxième magicien Illusion d'Ébène, ça fait quand même plaisir. Robot convertisseur, attention, c'est la dernière chance pour moi, et réglage, voilà, ça c'est réglé, voilà. C'est le cas de le dire. Tac, voilà. Ben moi, en tout cas, ben c'est ma première, première ouverture, 8 boosters, on a vu ce que j'ai eu, on fera un petit récap à la fin, et puis Nico, là, ça va être à ton tour. C'est à mon tour. Place on fait un petit changement. Ah, place aux ténèbres. Place aux ténèbres, c'est parti. Allez, de retour. C'est à moi
de jouer. J'enfile mon petit anneau du Millennium. Je t'en prie l'anneau de Bakura. On a switché. Nico, c'est à toi. C'est parti, premier booster pour toi, Nico. Dragon sorcier aux yeux impairs. Génération Next. Propulseur du futur. Héros favori. Onomato Collect. Voilà, c'est bien que tu aies ces noms-là, toi aussi, maintenant. Et cette carte-là a été jouée dans un flexipateur à l'époque, je me rappelle. Ok. Numéro C15, poupée truquée, chasseur de géants, yes. Dimension pendule. Esprit de la terre, grand line walker. Maîtrise de l'esprit noir. Ça, c'était une ultra qui coûtait super cher à l'époque. Exact. Oracle du soleil. Sanctuaire des ténèbres. Esprit de la terre immortelle, Uru. Esprit noir de la malice. Esprit de la terre immortelle, Karaiwa. Eh oui, il faut les lire, ceux-là, oui. Esprit de la terre immortelle, Kapakapu. Oh, les ultra, oui, joli. Néos de la loyauté, héros élémentaire. Super. Guerrier satellite, très belle ultra. Et un deuxième Néos de la loyauté, héros élémentaire. Oui. Et celui-ci, il est rouge. Oui, sur les vidéos qu'on avait vues, des fois, ça s'enchaînait. Enfin, c'était tout le temps les deux mêmes ultras qui suivaient, et là elles sont décalées. Bon. Premier booster, c'est pas mal. Je pense que je peux gagner là. Je crois que je suis autant en train de prier pour que t'aies l'âme des magiciens, pour qu'on les ait quand même ces cas, que de me dire faudrait vraiment qu'il ait pas grand chose quoi. Satellite synchronique, secret de la magie des ténèbres, parade des poupées, prédaplan, action souriante, Camiro Solis, près d'un plan. Oui. Oh, un petit sur ce pot artiste. Oh là là. Elia Forengus, près d'un plan. Désolé les gars pour la prononciation. Tornade des esprits de la terre. Gaïa Sombre, héros du mal, destiné lui. Destiné, ouais. Kylia, le dragon de la lune. L'âme malveillante, héros du mal. Fourmi de feu, Ascator. Hop. Esprit maléfique. Spectre Zoma. Cyclone sauvage, héros du mal. Oh, combinaison des magiciens, sympa. Et lui, je ne connais pas. Golem foudroyant, héros du mal. Appel de détresse sur ce pot artiste. Maîtrise alchimiste, H, cœur passionné. Dragon sorcier aux impairs. Fusion miraculeuse, hop. Le petit courriboulé qui est super mignon. Tornade des esprits de la terre. Château du roi suprême. Killa, le dragon de la lune, champion de l'enfer, héros du mal, fourmi de feu, Ascator, Jogwen le spirit, spectre Zoma, esprit de la terre immortelle, Wakwasha, Aska, Jernia, oh, le magicien du chaos, et Ascator, Marchaube. On est parti pour ton quatrième booster, allez. Propulseur du futur, héros favori, héros vivant, Prédaplast, acte de poupée, assel synchronique, magicien ga, illusion magique, maîtrise de l'esprit noir, esprit de la terre, linewalker, sanctuaire des ténèbres, poupée truquée, bébé de terreur, esprit noir de la malice, fissure des esprits de la terre, esprit de la terre immortelle, kapakapu, oh le petit sangon, mon petit ami sangon, Arscator, et la petite chimera faisait après ta plante. Ok, une chacun. On continue, on est à plus de la moitié. Prédaplast, acte de poupée, assal synchronique, magicien gaga, illusion magique, satellite synchronique, hop, je sais pas si vous voyez bien, secret de la magie des ténèbres, oracle du soleil, fissure des esprits de la terre, Soupaille, marche crépuscule, convocation ténébreuse, résurrection de l'esprit de la terre immortelle, message spirituel, haine, tornade des esprits de la terre. Oh, un petit visage nécro. Visage nécro, une belle réédition aussi. Ah, prédaptition. Elle est fin d'un héros du mal. Est-ce que j'ai une âme? Oh, dommage, mais bon. Numéro C40, poupée truquée au cœur des ténèbres. Bon, alors on se moquait de moi, mais c'est pas ouf tout ça! Maîtrise alchimiste, H-cœur passionné, dragon sorcier aux yeux impairs, fusion miraculeuse, courriboué ailé, propulseur du futur, héros favori, héros vivant, Jogwen le spirit, l'âme malveillante, héros du mal, esprit de la terre immortelle, bon. Voilà. Esprit de la malice. Esprit de la terre, Lightwalker, message spirituel, la lettre L,
Poupée truquée, bébé de terreur. Ah, une petite apprentie magicienne. Joli, joli. De l'illusion. Le néo-zolaïoté héros élémentaire en bleu. Et l'esprit de la terre élémentaire. Un sapiscou. Un sapiscou. Numéro C88, poupée truquée du lion, de lion du désastre, pardon. Oh, le petit néo-spatien. Oui. Bon, toujours lui sur ce pote artiste. Satellite synchronique. Dragon sorcier aux yeux impairs. Le Dragostapella, prêt à plante, propulseur du futur, fissure des esprits de la terre, esprit de la terre immortelle, kappa kapou, j'aime trop celle-ci. Convocation ténébreuse, message spirituel I, le message spirituel N, sniper infernal, héros du mal, le visage nécro, fusion des ténèbres, et encore un héros élémentaire, pardon, et le guerrier satellite en bleu. Égale cette en rouge. Allez, le dernier booster, les amis. Et je suis sûr qu'il y a une âme des magiciens dedans. J'aimerais bien. Dimension pendule. Prédaplace. Prédaponique. Magicien gaga. Cercle du magicien. Hop. Secret de la magie des ténèbres. Héros vivant. Flash héros. Esprit de la terre immortelle ultime. Poupée truquée, bisque, il y a un mec dans le DC, il s'appelle Mike. Il est en train de trembler là, il est en train de trembler. Offrande aux immortels, esprit noir du bannissement, résurrection des immortels, l'âme malveillante, héros du mal, hurlement de l'esprit de la terre immortelle, et là, l'instant fatidique. Ah oui, oh oui, mais non, les amis, j'en peux plus. Je l'avais prédit. Oui. En la loi synchronique, et... Un autre, la loi synchronique. Ça aurait été bien d'avoir deux âmes des magiciens, mais c'est propre, voilà, bon, c'est, ben, propre. C'est réglé. Les ténèbres ont encore gagné, les amis. Voilà. Joli Nico. Allez, on re-switch. Hop, alors, bon, on va annoncer que tu as gagné. On va annoncer que tu as gagné, pas de souci. On vous montre les dés. Allez, on fait un petit zoom là-dessus. Tac, tac, comme ça, vous pourrez tous les voir. Alors ça, c'est le dé collector. Là, c'est les 4 dés qu'on pouvait avoir. Donc le dé, du cercle des... magicien, hein, je sais pas si ça le montre correctement. Voilà, on y est. Hop, le dé avec Neos. Le petit dé synchronique, hein, bien sympathique. Le dé héros. Bien sûr, c'est des dés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Vous connaissez déjà la face Yu-Gi-Oh! Et puis le fameux dé collector. Short Prince, c'est un quoi comme symbole ça? C'est la magicienne des ténèbres. Ok, super, il est sympa. Bien stylé, voilà. Tac, ça c'était pour les dés. Et au niveau eh bien, des secrètes que l'on a eu, promotionnel, les magiciens des ténèbres, âme des serviteurs qui est en secrète. Giltia, chevalier des ténèbres, lance des âmes. Le soldat liquide, on en parlait au début de la vidéo. Et Rombo en secrète, hein. Allez, re-petit coucou à Zulu, dragon de harpie, souffle de feu terrible. Yes. Sunrise, un héros élémentaire. Yes. Et Trifio, on va le dire, Trifio Veratum, prédaplante. Hein, et la dernière, eh bien pour fêter ta victoire, Nico, la malédiction nécrophyre. Ouais. Donc là, ça en fait 8. Il y en a deux autres, on va vous les montrer, il n'y a pas de souci. Clairement, tu as gagné. Ouais, il y avait un petit avantage parce que tu as eu pas mal de guerriers satellites et c'est puis ça, de Neos de loyauté. Bon, je me disais, on va peut-être pouvoir call un petit draw, mais... Non. Moi aussi, je me suis dit, il y avait un petit draw, et puis j'ai vu l'âme des magiciens, c'est bon, j'ai gagné, cartes. T'as gagné, je vais juste monter ça, on va remontrer eh bien, ton tapis. Allez, pour le plaisir, on va se faire un petit zoom là sur ton tapis. C'est toi le grand gagnant ce soir. Eh bien, le tapis de Bakura, on le rappelle, avec, tu l'as dit, l'anneau du millénium. C'est ça. La malédiction nécrophyre, l'esprit noir de la malice et l'esprit noir du bannissement. Ce que je te propose, Nico, eh bien, comme tu as gagné, c'est qu'on fasse justement gagner à nos abonnés, à nos internautes, eh bien, ce tapis. Eh ben, allons-y. On va le faire remporter, voilà, le tapis Bakura, il est pour vous. On vous expliquera à la fin de la vidéo, pour ceux qui ont eu le courage de la regarder jusqu'au bout, comment le remporter, mais c'est un jeu concours classique. On va peut-être se faire un petit retour sur les ultras qu'on a eu. Ouais, vas-y. On se fait ça rapidement. Allez les amis, on vous montre ça. Bon, je ne les ai pas du tout triés, on va essayer d'être rapide, mais faire un petit point rapidement sur ces 8 boîtes, et donc 16 boosters.
Ascator, réglage, nécrophyre des ténèbres, le nécrome, Gernia, magicien maître du chaos, robot convertisseur, hors la loi synchronique, le cyclone, Ascator, réglage, cercle magique, magicien maître du chaos, réglage, magicien illusion ébène, très très belle réédition, magicienne des ténèbres, Gernia, la chimera flésia près d'Aplante qu'on cherchait, réglage, robot convertisseur, magicien illusion, nécrome. Du coup, les couleurs, c'est rouge et bleu, apparemment, qui ont été rajoutées, enfin, qui sont en plus. Esprit de la terre immortelle, Aslapiscu, le numéro 100, C40. Néos de loyauté, guerrier satellite. Néos de loyauté, le golem foudroyant. Combinaison des magiciens, on n'en a eu qu'une. Cyclone sauvage, Ascator, qu'on a eu pas mal ce soir. Magicien du chaos, un seul exemplaire. Gernia, le numéro C40. Elle infernale. Prédaptition, notre deuxième chimera, chimera flisa prédaplante, Ascator, Sangan, une seule, Aslapiscu, deuxième, Neos, on en a eu pas mal, apprenti magicienne, c'est notre seul, et on a eu quelques guerriers satellites, encore du Neos, ange de loyauté, Neos de loyauté, pardon, et puis, eh bien, on va se faire, c'est sympa de finir là-dessus, ça a été un beau dernier booster pour toi, Nico, encore. C'est ça. Encore félicitations, âme des magiciens, hors la loi synchronique, on a eu en double exemplaire. Et voici pour les ultras. On va vous faire cadeau des communes quand même. On va peut-être pas les montrer. Il y en a beaucoup. Pas trop, là. Ça a été assez long, hein, parce qu'il y a quand même, il y avait quand même 15 cartes, donc une douzaine de communes. C'est assez long à ouvrir. Voilà, grande victoire de toi, Nico. Ce qu'on vous propose, ben, pour ce petit retour des ouvertures, c'est de gagner le tapis. On vous a fait un zoom tout à l'heure dessus. Le tapis Bakura. Ouais. Est-ce qu'on repart sur un Team Pharao ou Just Bap? On va rester sur notre classique. Team Pharao, le classique. On repart sur le classique. Il faut être abonné à la chaîne. Vous mettez un petit commentaire. Vous mettez ce que vous voulez sur le commentaire. Pourquoi pas une anecdote, quelque chose autour de Yugi, autour de Bakura, autour de cette première série d'animés de Yugi, si le cœur vous en dit, et surtout dans votre commentaire, Jazz, Team Pharao, voilà, et puis vous participez directement au tirage au sort. On est le 21 juillet, on va faire un truc rapide quand même pour le faire gagner. On va se laisser quoi? Ok, ce que je propose, on va se laisser jusqu'au 25, c'est bien, allez ouais, ça fait 4 jours, parce que l'idée c'est de faire un concours rapide. On va se laisser jusqu'au 25 juillet. N'oubliez pas, les amis, pour participer, il faut être abonné. N'oubliez pas de ne pas cacher votre abonnement ou d'enlever le hide de votre abonnement dans vos options. Et puis, Jazz Team Pharao, on participe au concours, au tirage au sort. On se laisse jusqu'au 25 juillet et d'ici le 26, on vous fait un retour. Ce sera peut-être pas une vidéo. Ce sera peut-être un short, ce sera peut-être sur Insta, voilà, c'est très, en fait, voilà, suivez nos réseaux, c'est très bien, vous les avez en fin de vidéo, vous les avez dans la description, que ce soit le Twitter, que ce soit l'Instagram, on n'a pas décidé, on fera peut-être pas une vidéo pour dire, parce qu'il n'y aurait pas grand chose à dire à part le résultat du concours, à moins de le caler sur autre chose, ce sera peut-être sur une vidéo, ce sera peut-être sur Instagram, ce sera peut-être sur Twitter, ce sera peut-être un short. N'hésitez pas à suivre nos différents réseaux. En tout cas, ce sera le 26 juillet. On vous donne le résultat de qui a gagné ce tapis Bakura LED5. Et puis, comme d'habitude, tout le monde peut participer du moment que vous êtes abonné et on vous enverra ce superbe tapis. Voilà, alors pour nous, c'est pas terminé. La journée n'est pas terminée parce qu'on va ouvrir en tout une trentaine de boîtes. Puisque, comme d'habitude, je fais la collection, donc je veux avoir les cartes promotionnelles en 3 exemplaires. Il y a 10 cartes promotionnelles, il me les faut absolument toutes. Donc, une trentaine de boîtes à ouvrir, ça veut dire des dés, des cartes. Et puis, pourquoi pas, en fin de cette petite vidéo, vous montrer ce qu'on a eu, vous montrer les 10 cartes promotionnelles, et puis est-ce qu'on a eu sur ces 30 boîtes plusieurs âmes des magiciens, on se le souhaite. Pour l'instant, cette vidéo-là, elle est terminée, on va se quitter dessus, on va faire un petit aller, ciao. Et puis, je vous mettrai en fin de vidéo un petit bonus pour vous dire ce qu'on a eu sur ces 30 boîtes de Duelist Légendaire saison 3. En tout cas, je ne sais pas si cette extension vous intéresse, les amis. On aurait pu dire qu'elle n'est pas compétitive, ce ne serait pas vrai, il y a quand même des cartes à récupérer, oui, c'est sûr, ouais. Que ce soit en,
Que ce soit à l'unité ou que ce soit parce que vous avez envie d'essayer de les trouver, on l'a dit, âme des magiciens, le guerrier satellite et quelques cartes synchroniques peuvent servir, des cartes prédaplantes, la Rafflesia pourquoi pas, ou quelques les, cartes. Les héros, aimerait, les héros c'est compétitif. Les héros parce que on a Power of the Element qui arrive avec, ouais. Avec certains héros, il y a des héros qui sont compétitifs, dites-nous, n'hésitez pas, faites-nous un retour sur commentaire, est-ce que cette extension vous intéresse, est-ce que vous allez en acheter, un commentaire sur ce que vous voulez, et puis comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ça, c'est pas bien. Abonnez-vous, la petite cloche pour ne rien rater du contenu si ça vous plaît, bien sûr. Et puis, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les amis, pour cette vidéo d'ouverture qui a déjà été bien assez longue, eh bien c'est terminé. Yes. Nous, on vous dit surtout, prenez soin de vous. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Quelle tristesse. Eh oui. Quel malheur. Alors, on a ouvert 30 boîtes de L... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. De LED3. De LDS3. LDS3, pardon. Legendary Duelist saison 3, les duels légendaires saison 3. Mm-hmm. Et on a eu absolument aucune âme des magiciens à part celle que Nico a droppée. Donc, une âme des magiciens sur 30 boîtes. On avait vu quand même que sur les pré-ouvertures, c'était pas fou le drop. Peut-être que nous, on n'a pas eu de chance. Peut-être que vous, vous en aurez plus. Vous nous le direz dans les commentaires, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour ceux qui sont en Guyane, eh bien, l'extension est disponible dans votre Duel Center préféré Gamecash. Un petit peu de pub quand même pour le Duel Center. Voilà, Gamecash, mon joli. Merci, Todd. Et puis, ben, on vous avait montré, je vais sûrement zoomer dessus, mais on vous avait montré les 8 cartes promotionnelles qu'on avait eues, et bien les deux autres c'était celle-ci, le planeur du Kaiser et puis l'elfe mystique et dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, c'était le petit bonus où on aurait aimé faire un truc sympa avec des âmes des magiciens, mais on n'en a pas eu. On va partir à la recherche de ces cartes-là. Je suis sûr qu'il y a des copains qui vont les dropper et je serai là comme un épervier pour surveiller ces petits drops. Allez, cette fois-ci, on est parti, les amis. Ciao! Ciao.